L'hiver est là, les premiers flocons sont tombés. Didier Cuche reprend ce week-end la Coupe du Monde de ski alpin. Le minimag de Canal Alpha ne pouvait pas manquer de le suivre dans son entraînement. Voici le reportage de Thierry Siegfried. Allez, Didier ! L'écho du Val de Rue résonnera à nouveau dès dimanche de colline en montagne pour soutenir l'enfant du pays. La Coupe du Monde reprend ses droits à Solden en Autriche. Ouais, je me réjouis que ça recommence, surtout que la période d'entraînement a été longue et c'est maintenant que le plaisir va commencer, donc j'espère que ça marche bien. Didier s'est entraîné dur pour entamer sa 16e saison au plus haut niveau. Nous l'avons rencontré dimanche chez son préparateur physique Florian Lorimier, à qui il voue une fidélité inconditionnelle. Depuis 2001 qu'on bosse vraiment ensemble, où là il a commencé à faire une préparation planifiée pour moi. J'ai vu les résultats tout de suite l'année qui a suivi 2001-2002. Ce qui fait que voilà, je me sens bien ici. J'ai besoin de me sentir fort physiquement. On a chiffré, donc en heures, ça représente à peu près 450 heures de préparation physique par année. On fait 140, la saison passée, 145 séances d'entraînement ensemble. En tonnes de fonte soulevée, ça fait 520 tonnes. Et puis on a même essayé d'estimer un peu le temps, on travaille l'équilibre sur des plateformes instables, des choses comme ça. On arrive à 45-50 heures sur une saison passée en équilibre, en stabilisation. Sa région agit sur lui comme un aimant. Après chaque course en Europe, il revient. Ouais, y a des gens qui ne comprennent pas parce que le dimanche, ils l'ont vu en train de faire une descente. Et puis le lundi matin, à 9h, on est ici en train de travailler, en train de soulever des charges. Alors là, c'est vrai que les personnes sont surprises. Puis des fois, les petits-enfants aussi qui le voient le dimanche à la télé. Puis le lendemain ici, ils disent « c'est pas possible, c'est pas lui, il est pas là ». Le petit Didier, né un 16 août 1974 au Pâquier, est devenu Didier Cuche, meilleur descendeur du monde depuis 2 ans. Comme son surnom l'indique, le skieur des Bugnonnais a grandi ici, au pied des pistes, dans cette auberge tenue à l'époque par ses parents. Au départ, il fallait qu'il apprenne à skier autour de la maison seul. Il devait apprendre à mettre et gérer ses skis, les enlever, être autonome, avant qu'il puisse traverser la route puis filer au téléski. C'était un peu mon terrain de jeu, mais mes parents, quand j'étais trop petit pour donner un coup de main au restaurant, ils nous envoyaient, les autres frères aussi, on allait skier. Puis après, quand on avait l'âge où on pouvait aider, on venait aider. C'était les moments privilégiés qu'on avait autour de cette table, mais où tout se passait aussi, où il fallait de temps en temps qu'ils nous aident à éplucher les pommes de terre. Parfois, on faisait l'impasse sur les heures qu'on devait aider à midi, puis le soir, on faisait méchamment gronder, mais c'était normal, mais... On avait du mal à quitter ce terrain de jeu. Et parfois, c'est sûr que peut-être qu'on le marronnait. Quand j'étais jeune, d'arriver vraiment à dire voilà, j'aimerais maintenant devenir un grand champion. Je ne me souviens pas m'être fait cette réflexion. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller déjà de me mesurer aux jeunes de la région. Puis après, le stade d'après, c'était se mesurer aux Valaisans, aux Vaudois, aux Genevois qui étaient dans le même cadre que moi. Ça a toujours été présent en moi, l'envie d'aller sur la neige et de me confronter aux autres. Aujourd'hui, à 34 ans, il se confronte à des Benny Reich, Axel Lundsvindal ou Bode Miller. Son palmarès, une médaille olympique d'argent au JO de Nagano. Cette nuit du 16 février 98, le clocher du Pâquier avait sonné pour marquer le coup. Le village était en effervescence. Il y a aussi eu cette médaille de bronze aux Mondiaux dorés en février 2007. Le village de Dombresson lui avait réservé un triomphe. Didier Cuche ! En 2007, il soulève son premier globe, celui de la descente, l'épreuve reine. Et l'État de Neuchâtel lui décerne la médaille du mérite. Puis il décroche son deuxième globe cette année en 2008, après avoir remporté une victoire de prestige sur la Streif à Kitzbühel. À Canal Alpha, on y croyait. Pour cette nouvelle saison, l'objectif est simplement de continuer sur cette lancée. Je suis devenu gourmand et je pense que beaucoup de gens attendent de moi les mêmes résultats que dans les 2 saisons passées. Je crois qu'on a un grand but, c'est de gagner la 3e fois à la file le globe de cristal en descente et peut-être de prendre une revanche en super G comme on l'a perdu un petit peu bêtement à la fin de la saison passée. En fait, il ne reste plus qu'une chose pour couronner cette fabuleuse carrière, remporter le grand globe du classement général. Théoriquement, c'est possible de le faire, le globe.
Mais vraiment, pratiquement, ce sera très difficile de battre les autres qui ont cinq disciplines. Avec l'âge et son expérience, il est dans ses meilleures années. Donc ce serait un petit peu bête de passer à côté de quelque chose. Donc on reste en entraînement de slalom un petit peu pour faire les super combinés et puis essayer de jouer le général. Et on va tenter notre chance jusqu'à la fin. Dimanche, c'est le slalom géant qui attend Didier. Il a entraîné cette discipline mardi à Sassfeld avec l'équipe de Suisse. Sur les cinq manches disputées, il n'en a remporté aucune. À l'heure de l'analyse vidéo, il n'était clairement pas content de sa prestation. Mais pas d'inquiétude, à Solden, ce sera une autre histoire. On lui tient les pouces. Thierry, vous revenez de Sassfeld. Quelles impressions vous a fait Didier Cuche? Alors Didier, c'est vraiment un grand champion et à mon avis, je suis très confiant pour lui. Il va gagner la descente, le Super G. Pour le général, il faudra encore voir. En même temps, je ne sais pas si je suis vraiment objectif. Pour moi, c'est mon sportif préféré. On en a chacun. Bel hommage. Donc un mini-mag pour un maxi-champion. Merci Thierry, bonne chance à Didier pour cette saison. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau mini-mag.